Bonjour à toutes et tous, je me présente, je suis Marianne, chargée de communication pour le réseau CIM Immobilier. Aujourd'hui, je retrouve Julie Loiseau de l'agence CIM Immobilier Longue et Jumelle pour un interview concernant la situation inédite dans laquelle nous avons tous été plongés. Bonjour Julie. Bonjour Marianne. Alors, pour première question, je souhaite vous demander comment le réseau CIM Immobilier vous a-t-il aidé à traverser cette période difficile ? Vous êtes-vous senti soutenue ? Oui, tout à fait. Le réseau CIM Immobilier a été très présent pendant ce laps de temps de confinement, cette incertitude. Dès le début, en fait, le siège a fait le tri sur toutes les directives qu'on recevait du gouvernement. Du coup, on a pu continuer à se concentrer sur notre activité et à gérer les choses avec des informations essentielles. On avait vraiment des échanges quasi permanent avec le siège, compte tenu des différentes choses qui se passaient en France. D'accord. Et diriez-vous que certains aspects ont changé dans votre métier pendant le confinement ? Alors oui, tout simplement parce qu'on avait pour objectif de ne pas être vecteur de transmission. Donc on a pris des mesures qui sont peut-être un peu trop, mais je pense qu'avec la sécurité, on n'en fait jamais trop. Donc on a supprimé tout ce qui était prospection en boitage. Et on avait déjà des outils, on va dire, de nouvelle génération comme les visites virtuelles. Donc on a continué à faire ces visites-là dans tous nos biens occupés. D'accord, merci. Et du coup, comment se passe le redémarrage de votre activité ? Et du coup, il n'y a pas vraiment eu de redémarrage parce qu'on a beaucoup travaillé pendant le confinement. Notamment avec les acquéreurs qui étaient toujours en recherche et du fait que nous proposions des visites virtuelles, se faisaient le tri, on va dire, dans leur prospection pour ensuite convenir à la fin du confinement de contre-visites sur les biens qu'ils avaient repérés avec nous. D'accord. Donc entre les visites virtuelles et la mise en place de nouveaux outils, c'était très prenant. Alors en plus, on a le siège qui nous a vraiment inondé de formations pour faire le point sur nos process, sur des choses qu'on pouvait mettre en place encore plus. Donc on a utilisé, découvert de nouveaux outils qu'on a mis en place pour pouvoir être encore meilleur à la fin du confinement. D'accord. Et du coup, en parlant du réseau, d'après vous, quels sont les points forts vraiment de la marque CIM Immobilier ? Déjà, la réactivité, l'écoute et la proximité. Alors vraiment, c'est très important. On fait vraiment partie d'une équipe quand on est chez CIM. Autant avec le siège, on a l'impression qu'ils sont dans le bureau d'à côté parce qu'on a vraiment... Un vrai collaborateur qui s'adresse à nous, on n'est pas des numéros, on n'est pas, voilà, ils nous connaissent tous. Et en plus, les autres collaborateurs du réseau, les autres franchisés et les autres CIM sont vraiment là aussi pour nous aider dès qu'on en a besoin. Et donc, quels conseils pourriez-vous donner aux futures agences CIM pour qu'elles réussissent ? Je pense que l'essentiel de notre métier, c'est de faire en sorte que nos clients soient satisfaits. Acquéreurs comme vendeurs, ça doit être la priorité de nos actions. Donc vraiment remettre la satisfaction client au cœur de notre métier, c'est très important. Merci pour toutes ces réponses. Est-ce que peut-être vous souhaitez ajouter quelque chose ? Bah, je voulais simplement remercier tout le réseau CIM, donc non seulement le siège, mais également tous les autres points de vente en France qui se sont vraiment... déjà, on est une équipe soudée et en plus, pendant ce confinement, on n'était vraiment pas isolés. Donc ça, c'était vraiment très positif. Les autres gérants, les autres agents étaient là pour nous soutenir et faire en sorte qu'on aille de l'avant. Donc bravo, merci à tous. Merci pour ces commentaires. Merci également d'avoir pris le temps de participer à cette interview. Donc pour toutes les personnes intéressées, vous pouvez suivre Julie sur sa page Facebook CIM Immobilier Longue et Jumelle ou directement sur son site internet longue-jumelle.cim.com.
À bientôt et merci. À bientôt.